Mais YouTube, du coup, mais là, je fais ce game. Je suis en plein cours. Je vais probablement la gagner avec 21 kills. C'est ma première game depuis 2 jours. Mais je me sens plutôt confiant, tu vois. A few moments later. Tu entends ce bruit derrière? Tu sais qu'il se passe quelque chose? Là, on va faire une game avec la pelle de Cold War. Gameplay exclusif. Premier gameplay mondial peut-être avec. Je te laisse découvrir. Peace. Et en fait, il vaut mieux sub aux gens normalement, tu vois, plutôt que leur filer ton prime pour les aider à débloquer ce fameux truc, ce fameux palier. J'ai pas les mots. J'estime, les gars, à 99% le taux de chance que je win cette game. Les mecs, par contre, je suis en manque de mettre des coups de pelle. Hein. Avec ma pelle, je m'éclate. Avec ma pelle, je fais du sale. L'appel, ça me connaît. Je viens de tuer John Wick. John Wick, il est éclaté. Oh. Yeah. Et chat. Elle y est. Elle y est, ma man. C'est bon, je suis bien. Merci, Severus, pour le sub. Non, les gars, je vous fais une win à l'appel. Il a parié 100 subs, je vais quand même pas jouer avec une arme normale. J'ai pas envie de gagner le pari trop simplement non plus. Ouh, ça fait passer. Doudoudoum. Moi c'est chaud H1. Alors attends, je vais mettre une paralysante en rebond sur deux. T'as failli me tuer, gros. Attends. J'arrive. Mec, je vais garder ta testicule gauche. Ce sera un souvenir. Gauche. Le retrait de cette testicule lui a vraiment fait du mal. On peut le sentir. Qu'en dites-vous, ma chère Michael? Je pense qu'il faut que t'ailles en tuer un autre pour être sûr et que tu prélèves la droite. Ça te fera une paire de secours, on sait jamais ce qui peut se passer. Et voici Didier l'enculé. Alors, Didier l'enculé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre métier? Alors, Didier l'enculé, bah, moi, mon job, c'est simplement de rester en fantôme avec un couteau devant. Et je tue des gens. C'est le métier de Didier l'enculé. Non, moi mon métier c'est de te créer une vidéo par jour sur ton YouTube, mais à ce que je vois mes menaces n'ont pas été prises au sérieux, alors tu l'auras voulu chaud. Et c'est Franquin. Il est là pour jouer avec toi. Nous allons donc aller voir Francis maintenant. Francis qui, apparemment, est en train de nous attendre à l'intérieur d'une magnifique villa. Francis, bonjour. Une cible, là. Suite à notre interview, Francis,
Ils ont pu voir que vous étiez grave intéressé par les fruits et légumes. Ah, vous êtes en feu, Francis. C'est vraiment emmerdant. Oh, Francis qui vient de mourir. Si ça, je m'y attendais. C'est vraiment le genre de nouvelle qui met un shoot au moral. Ok, on va prendre l'ascenseur. Parce qu'il y a Raymond juste en haut. Raymond, à part nous parler d'apéro, il sait plus parler de grand chose. Nous allons quand même vérifier ce qu'il a à dire. Bonjour Raymond. Oh, c'était un peu extrême ça, Raymond. Je vous prends en chasse, Raymond. Merde, je suis un peu bas, j'ai l'impression. Hop. Raymond, bonjour. Ici Chouache, encore une fois. J'aimerais vous tabasser la gueule à passe. Ok. C'était en fait Mohamed. Putain. Qui aurait cru que Lyon serait fait passer pour Mohamed? Oh, c'est ce qu'on appelle la sauce. On saute. Eh les gars, je dois absolument avoir mon interview. Eh ma chère Élise Lucet. Oh shit. Dispositif de reconnaissance en ligne. Oh, on voit que ce sniper a encore réussi à me repérer. Décidément, il a vraiment l'instinct. Qu'est-ce qu'il fait un bon journaliste? Ils sont doués. Ok, il est paralysé. On va lui taper sur la gueule pour voir si elle a des réponses à donner. Oh merde. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé? On dirait qu'il n'avait pas de réponse et même qu'il n'avait pas l'âge de répondre. Je suis quand même étonné face à ce comportement. Et en suivant, on tombe sur ce joueur à qui on va rajouter des termites pour qu'il joue un peu mieux. Oh non! C'était un hooligan de chez Marseille. Ce joueur n'a pas eu plus de choses à nous dire. Va falloir acheter des plaques de notre côté, mon cher Serge. Oui, mon cher Thierry, nous allons y aller. Ok. Alors, ce que je suis en train de voir, les gars, c'est que ça est en train de camper dans l'angle droit. On va claquer un drone. Ok, on peut voir qu'on est au même niveau que... Ok. Surprise. Ok, il doit y avoir Jeannette juste en bas, les gars. Dites bonjour à Jeannette, les gars. Eh non, c'était pas Jeannette. C'était Bombero 90. Ah, ils sont pas en forme, les mecs contre qui je joue, les gars. Ils sont pas en forme. C'est, on est sur du... On est sur du joueur fatigué un peu là. Est-ce que j'ai pris de la tequila au petit-déj? Non. Mec, on a Ice Darnex qui est en train de s'enfuir. Sachant que je vois pas de camion là. C'est là que le mec il est en train de se faire un gros road trip en camion, on est tous d'accord là-dessus. Ah bah tiens. Oh Starfool là les gars. Combien tu paries qu'il va monter là-haut les gars? Mec, je vais faire demi-tour. Et je vais venir te goumer la gueule. Hein. Bon, apparemment, finalement, notre ami Francis a décidé de se cacher ici. Ce parfait enculé, là. Tiens, je ne lui foutrai un headshot avec une frappe. Mec, c'est moi le fils de pute, celui qui campe en haut de cette tour. Je crois que la question est vite répondue. Ciao. J'ai vu des camions, les gars, tout à l'heure là-bas. Regardez, les gars. Regardez.
Suivant le comportement de cette voiture, je pourrais analyser ce qui est en train de se passer. Du coup, je pense qu'en mettant une frappe ici, je peux révolutionner le monde. Logiquement, c'est une triple kill, les gars. Bon, et dehors. Les gars, je vais win cette game sans aller au goulag. Je vais rouler sur la game en entier. Quand je suis dans une forme autant olympique, Jack, il peut rien se passer. Rien. Oh, une rose. T'as lancé de tarines sont vraiment propres. Mais j'ai la game giga smooth ce matin. Je suis en mode, enfin mes moves sont smooth, tu vois. Donc tranquille, je pense qu'avec une pelle ou avec un truc, c'est la même chose. Hein. Ok, il campe dans une des zones que je déteste le plus. En fait, elle est tellement. Il y a tellement de feuillage, etc. que j'arrive pas à voir bien souvent où se font cacher les gens. Donc tu vois là, par exemple, il y a une balle qui est partie, j'ai absolument pas vu la personne. Yo! Bon. Au moins, ça a été réglé. Le mec s'appelait Étalon du cul. Étalon du cul, gros. Baiseur de chat. Quoi? On déconne! Go ici, on va acheter un truc. Je vais essayer de capter un point dans Farmland. Il me reste un HP là, les gars. Je vais vous écraser la gueule, hein, les deux campeurs là. Tic et tac. Ils sont deux dans la même baraque, ils se tuent pas. Voilà. Je pense qu'on s'est mis d'accord, maintenant on peut bouger. Il va me tuer. Ok. Alors là, il a juste touché mon truc, du coup ça a explosé, tu vois. Du coup, regardez les gars, j'ai plus qu'une pelle. Heureusement que j'ai joué juste avec mes points. Hein. Ok. Et il y a un sniper qui m'a pris en joue.
Certains diront que j'aurais dû mourir. D'autres savaient que je survivrais. Ouais, mon bouclier a disparu, les gars, du coup... Oh merde, j'ai plus de camion, les gars, il est mort. Le goulag est fermé, les gars. Je me suis retrouvé dans une sauce, les gars, sans bouclier, sans rien. Tu reviens des enfers. Hein. Ils ont essayé de m'y envoyer en enfer, les gars. Mais finalement, c'est moi et ma pelle, les gars, qui les envoyons en enfer. On les enterre. Maqué. C'est comme s'ils avaient fait cuire la pizza un peu trop longtemps. Il y a des choses que tu peux pas pardonner. Je t'ai vu. Ruggito. J'avais un système profit, les gars. J'avais un système profit, les gars, sur le quad. Il devait intercepter tout le truc. Les gars, je refuse. J'avais un système profit, les gars. Je l'ai mis exprès sur le quad pour que ce genre de choses n'arrive pas. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi sont... J'ai mis un système profit. C'est pas... Non, mais c'est pas possible. Non, allez, je refuse, les mecs. C'est pas possible. Tu l'as mal placé. Mais mec, il était placé en plein milieu du quad. C'est impossible de mal le placer. Ça marche pas sur le C4? Si, ça marche sur le C4. Si C4 touche, faut refaire. Mais mec, c'est horrible ce qui vient de se passer. Il a 14 kills. Mec. Ouais, il est pas mauvais en plus. Mais il a le quart obsidian et tout. Le trophy était plein de merde aussi. Tu penses qu'il était encrassé, le trophy? Non, il joue bien, c'est pas un cheater et tout. Alors, on va en parler, les gars, juste. Il y a une clé mort qui est au sol, une Betty qui est au sol. Quand tu passes à côté en véhicule et que ça s'active, ça s'annule parce qu'il y a le trophy. C'est exactement pareil avec le C4. J'ai juste pris un bullshit. Je te jure, j'ai juste pris un bullshit de ouf. Vous savez que ça me dérange pas de payer 50 subs, mais... Mais pour le coup, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Parce que la game, je l'avais gérée de ouf. Il y avait un trophy sur le quad, les gars. Genre, par rapport à la dimension, c'est obligé que le trophy tanque tout. C4 au sol, ça ne s'annule pas, le C4 au sol. Putain, c'est bon. Dans tous les cas, les gars, bon, j'ai perdu mon défi, mais... Horrible. Tiens, je méritais, les gars, je méritais. Même s'il y avait un double C4, les gars, il faut 3 stuff pour casser un système trophy. 50 subs chacun, moi je dis, qui tout double. J'ai perdu ce défi, pas de négociation. Je vais vous envoyer les 50 subs. Vous vous rendez compte, les gars, qu'il y avait 18 kills? Elle était si cool, la game. Désolé, il semblerait qu'un problème soit survenu. Veuillez réessayer. Quoi? Offrir un abonnement? 50? Pays de résidence, Espagne? Non? France? Continuez. Le prix total a changé. Ah non, c'est bon, je crois que c'est pris en compte.